Hello à tous, on se retrouve pour un vlog. Ça fait un bail que je n'en ai pas fait, surtout parce qu'un vlog c'est ultra long à monter. Ou alors je dis beaucoup trop de choses, je filme peut-être beaucoup trop et du coup c'est super long à monter. Là, ça va être un vlog seulement sur le week-end, ce qui sera déjà pas mal je pense. Je vais pas faire masse de trucs, enfin je vais pas être énormément dehors. Mais j'ai pas mal de trucs à faire, surtout liés à la couture. Donc c'est surtout pour ça que je prends ma caméra avec moi. Parce que je me disais que ça pouvait être intéressant un petit peu de vous montrer tout ce que je vais pouvoir faire lié à la couture en un week-end. Du coup, pour vous situer un petit peu dans le temps, nous sommes vendredi 27 janvier. Je montrerai ce vlog et il sera posté dans une semaine. Donc pour vous, on sera déjà samedi 4 février. Qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Je vais aller à Emmaüs, à Paris. Ça fait un moment que je n'ai pas mis les pieds là-bas, surtout parce que la dernière fois, j'ai eu une mauvaise expérience, dans le sens où il y a un gros chantier de démolition juste à côté. Et je me suis pris un clou, une pointe dans le pneu, et je vous avoue que ça coûte de l'argent un pneu, et que quand vous avez un problème comme ça, il faut changer les deux pneus qui vont ils vont par paire quoi. Donc ça m'a un petit peu vaccinée, j'avais pas trop envie d'y retourner, j'avais pas trop envie de me reprendre un clou. Bon, les travaux sont toujours pas terminés, mais je me suis dit que allez go, j'ai envie d'y aller en fait. Juste pour chiner, même si je n'achète rien, j'ai envie d'y aller. Donc ça va être le cas pour aujourd'hui. Et donc je suis dans le Emmaüs de Paris, celui qui est en banlieue lyonnaise. Et si j'ai pas trouvé grand chose et qu'il me reste du temps, j'irai à celui de Vienne. Mais ça dépendra vraiment du temps que j'aurai mis à l'intérieur de celui-ci. Et sinon, truc cool qui va se passer ce week-end, c'est que dimanche, il y a les puces des couturières. Donc on ira ensemble dimanche matin, parce que c'est le matin qu'on fait les affaires, c'est pas l'après-midi. Donc on ira faire ça dimanche matin. Je viens de rentrer, je vais vous montrer les bêtises que j'ai achetées chez Emmaüs. Attendez, ouais, je suis pas trop floue. Je voulais aller à celui de Vienne, mais du coup, il était fermé. En fait, il ouvre lundi, mardi, mercredi... Non, mardi, mercredi, vendredi, jeudi. Et en tout cas, il est fermé le vendredi. Du coup, je n'y suis pas allée. Et qu'est-ce que j'ai pris? Je me suis pas trop attardée à faire des photos, enfin des plans et tout. Je vous avoue que c'était quand même blindé de monde, je sais pas trop pourquoi, mais il y avait vraiment masse de monde. Et je sais pas, ça m'a donné mal à la tête. Trop de monde, trop de brouhaha, trop de choses quoi. Donc je suis pas restée ultra longtemps, je suis restée quand même 1h30 hein, pour tout faire, donc c'est pas mal. Mais ouais, je me suis pas trop attardée. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Cette petite coupelle, j'avais pas vu, elle est un petit peu ébréchée, mais c'est pas très grave. Je l'ai payée 1€ et c'est une petite coupelle en forme de cœur. Je trouvais ça mignon. Voilà, je sais pas, je suis dans un esprit peut-être romantique. Je me suis dit pour mettre des fromages, enfin du fromage blanc ou des petits trucs à l'apéro, je trouvais ça sympathique. J'ai pris un truc, c'est insane, j'adore. Genre je pensais pas un jour trouver ça chez Emmaüs. J'aime trop. Pas forcément pour mettre quelque chose dedans, genre pour mettre sur ma bibliothèque, enfin dans ma bibliothèque. C'est comme une espèce de briquette de lait ouverte. Après on peut mettre quelque chose, hein, rien n'est interdit. Mais moi je pense plus en mode décoration, en plus la couleur est trop kiki, j'adore. J'adore.
J'ai dû la payer 1 € ou un truc comme ça, bref. Petite misère. Et derrière, vous avez une boîte que j'ai achetée là-bas, dans la partie extérieure. Je l'ai vue et je me suis dit, oh, les motifs sont cool. Ça change. Ça fait très 70s. Fake, évidemment. Mais ça fait très 70s. Je lui ai demandé le prix, il m'a dit 5 €. Je me dis, bah vas-y, ok. Go pour 5 €, franchement. Pour 10, j'aurais peut-être réfléchi en me disant, bon, vraiment, est-ce que tu vas l'utiliser? Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Où est-ce que tu vas la placer, etc. Là, pour 5, franchement, je vais l'utiliser, hein. Je vais mettre des trucs dedans, genre des tissus ou des choses comme ça, je pense, hein. Mais j'ai pas trop réfléchi longtemps. Je vous la montre après, il y a déjà des choses dedans. À la partie vaisselle, j'avais pris ces deux verres. C'est des verres qui sont bleus et qui sont avec des motifs, enfin pas des motifs, mais qui sont striés, quoi. J'aime bien en ce moment les verres de couleur. Il y en avait 3 à la base. Enfin, ils étaient vendus pièces, hein, à l'unité. Et j'en ai pris que 2. Enfin, j'aime pas quand c'est. Enfin, que c'est un nombre impair. Voilà, plutôt ça que je cherche. J'aime pas quand c'est un nombre impair. Donc, j'en ai pris que 2. J'aurais bien aimé qu'il y ait d'autres couleurs parce que là, ça ressemble vachement à mes verres à pied qui sont également en vert bleu. Mais, bah voilà, hein, il n'y avait que ça. Enfin, il n'y avait que ceux-là qui me plaisaient réellement. Ils étaient à 1 € pièce. J'ai pris des bocaux Le Parfait. Enfin, je dis Le Parfait, mais en fait, il n'y a qu'un seul bocal Le Parfait. J'espère que je pourrai ravoir toute la partie qui est rouillée. Je crois que ça peut. Qu'on peut faire quelque chose, mais j'en suis pas tout à fait sûre. J'espère. Pour tout ce qui est pâte, farine, etc., etc., j'ai pas besoin de vous faire un dessin. J'en ai pris un comme ça et j'en ai pris deux de cette taille-ci. Donc. Plus petit pour mettre genre du riz, des lentilles, des choses comme ça. Ça a dû me coûter entre 50 centimes et 1 € pièce. Et la grosse boîte, oh, qui va être super lourde parce qu'elle est quand même en bois. Oh putain. Voilà. Elle est lourde. Elle est grosse. Elle a des motifs très vifs. C'est péchu, hein. Et vous avez un petit séparateur qu'on peut enlever. Je l'avais changé de place pour caler les verres, mais on peut l'enlever, mais là j'y arrive pas. Et en fait, elle est aimantée juste ici. Vous avez un aimant, ce qui fait qu'elle est quand même pas ultra facile à ouvrir. Enfin, elle reste bien en place. Bref, mon petit shopping est terminé. Je vous ai tout présenté. Cet après-midi, j'ai pas mal de trucs à faire. J'ai du montage vidéo. J'ai une vidéo qui sort samedi, donc demain. C'est mon podcast couture, donc il faut que je finisse de. Enfin, il faut que je le monte entièrement. Je l'ai à peine commencé à monter. Et peut-être faire un petit peu de couture, mais ça on verra. Mon podcast est prioritaire. Et je vais surtout nettoyer tout ça, comme ça va pas traîner, c'est rangé. Et puis voilà. Je suis en train de me préparer à manger pour ce soir et un petit peu ce week-end ou la semaine, je ne sais pas trop. Et je suis en train de préparer en fait une fondue de poireaux avec de la crème de soja. Je vais goûter la crème de soja, je suis pas sûre d'avoir déjà goûté. Et je suis en train de faire des petits champignons avec un oignon. Et je fais caraméliser le tout. Et ça m'a fait pleurer que de couper les poireaux et encore plus en fait les oignons m'ont terminé. J'en ai coupé 3 et ça m'a terminé genre, ça m'a mis KO. Je pleure à grosses gouttes. Donc bon, c'est pas grave, hein. J'adore les poireaux, hein. Mais j'en fais pas souvent, rien que pour ça. Là, je vais passer une bonne partie, en fait, jusqu'à l'heure du repas, à faire, enfin jusqu'à ce que j'ai faim, puisque l'heure du repas, c'est moi qui décide, à faire du montage vidéo. Et puis je pense qu'on sera déjà pas mal. Et puis après, je ferai peut-être un peu de couture, je vous prendrai avec moi quand je ferai de la couture. On va pas se mytho, je suis sur un bail vraiment, vraiment cool. Là, j'ai mes petits champignons avec mes petits oignons qui ont bien caramélisé. J'ai mis du sucre, enfin du sirop d'agave et du vinaigre balsamique. Et en fin de cuisson, j'ai mis de la crème de balsamique. Ouais, toujours plus de balsamique, hein. Je vous avoue que j'ai failli les oublier, mais ils ne sont pas carbonisés, vraiment pas. Ils sont parfaits. Et là, j'ai ma petite fondue de poireaux avec une briquette complète. Hein. Toujours plus, on est gourmand, faut que ce soit crémeux.
J'ai mis du coup une briquette complète de crème de soja, aillé, on voit plus rien. Je disais avant qu'il y ait trop de buée, le saumon a cuit avec le feu coupé, juste avec la chaleur en fait des poireaux. J'aime quand le saumon il est fondant, genre à peine, enfin pas fini d'être cuit, encore un peu cru au milieu ou très légèrement cuit. Comme ça c'est plus fondant, c'est pas sec. Moi j'aime bien comme ça. Et du riz. On est samedi matin, je sais pas quelle heure il est, j'ai pas de montre, j'ai pas de bijoux, j'ai rien du tout. Mais il doit être 11h à peu près. Et je suis prête pour aller au marché. Oui, il est 11h. Je me suis réveillée, il était 9h30, 10h. Le temps de prendre ma douche, de petit déjeuner, de me préparer. Il est déjà pas très tôt, mais c'est le samedi. Le samedi, quand je suis chez moi, comme ça. C'est souvent le cas, j'aime bien prendre le temps. Ne pas me réveiller parce que je me réveille, enfin je me lève déjà très tôt la semaine. Donc ouais, vraiment prendre le temps pour moi quoi. Je vais aller au marché et je vais faire quelques photos, enfin quelques petites vidéos de ma robe. Comme ça je pourrai les intégrer à mon montage vidéo, à la vidéo en fait, au podcast qui sort aujourd'hui. J'ai fait mes photos devant la cathédrale Saint-Maurice de Vienne. Regardez comme elle est magnifique. Ah, j'arriverai pas à la voir entière. Hop, mais elle est vraiment très très belle. Elle a été rénovée, enfin les deux tours ont été rénovées il n'y a pas très longtemps. Je crois que les chantiers se sont terminés à la fin de l'été, début automne, ou bien fin automne, début hiver. Et ça se voit vraiment puisque vous avez la partie centrale qui est vachement plus foncée. Et je pense que d'ailleurs ils ont terminé cette tour-ci après la seconde. Puisque quand on est vraiment face à la cathédrale, on voit qu'il y en a une qui a l'air d'être un peu plus vieillie entre guillemets à cause de la pollution que la seconde. J'ai pas traîné à faire les photos, je vous avoue que ça pèle à la mort. Donc là, je vais rentrer à l'appartement. J'ai rien trouvé au marché. Je vous ai pris quelques vidéos, quelques plans du marché. Il est très très grand, le marché de Vienne. Donc c'est assez agréable. Vous pouvez vraiment trouver de tout. Et vous avez surtout un bon coin, on va dire oriental, puisque vous avez pas mal de marchands orientaux avec leurs épices, avec leurs spécialités et tout. Franchement, c'est super cool. Mais la petite marchande de tissu était pas là et il y en avait un autre. Mais rien ne m'intéressait, il fait majoritairement du tissu d'ameublement. Et rien ne m'intéressait, je lui avais déjà acheté du jean qu'il faut que j'utilise. Il est 14h40. Ma vidéo sortira pas aujourd'hui, enfin je pense pas. Parce que j'ai regardé les photos, enfin les vidéos, les petits rushs en fait que j'ai fait tout à l'heure quand je suis allée au marché. Et j'aime pas du tout, genre... C'est pas beau. C'est pas l'endroit qui est pas beau, c'est genre moi sur la vidéo. Je sais pas, en fait le vêtement rend pas du tout le résultat que je voulais. Il est mal positionné, etc. Donc c'est vraiment pas ouf. Donc je vais essayer d'y retourner cet après-midi là. Mais je voudrais quand même terminer totalement ce que j'étais en train de faire. Oula. Et je voudrais également terminer... Ma petite jupe, j'ai bien attaqué, j'avais prévu de mettre un élastique à smoke, franchement ça me prend la tête. Donc du coup j'ai enlevé l'élastique à smoke et j'ai mis un élastique classique, attendez je vous la montre. Voilà ce que ça rend, pour pas que l'élastique bouge de trop, il faut que je le coue, enfin que je fasse des piqûres entre. J'avais commencé à en faire une, sauf que faut que je me mette un peu comme des repères à chaque milieu, écart, etc. Parce que du coup il me restait trop, enfin genre j'avais pas assez tendu au début. Donc du coup j'arrivais pas à plus tendre vers la fin. Donc ça marchait pas ce que j'avais fait. Franchement, ça me fane un peu que les photos soient moches. Mais en même temps, en fait je vous explique. Ce qui s'est passé, c'est que cette robe est ultra statique. Et puis avec l'écharpe et le manteau, ça l'était encore plus.
Et je sais pas si vous connaissez la technique de mettre une culotte, un string, ce que vous voulez, par-dessus votre collant pour pas que votre collant bouge. Je l'ai utilisé et vu que ma robe était ultra statique, et ben en fait on voyait tout, c'était moche. Franchement, vraiment affreux. L'endroit super bien, ma tête super bien, mais le résultat de la robe sur le corps, bah c'était pas ouf. Donc je trouvais ça vraiment dommage, quoi. Ma tête on s'en fiche un peu, enfin je suis pas... Imaginons que je me trouve pas ultra ouf ce jour-là, bah écoute, c'est pas très grave, enfin... On n'est pas focus sur ma tête, on est plus focus sur le vêtement. Mais là, ça rendait pas du tout, ça rendait pas justice à la robe, on va dire. La journée sera passée super vite. En même temps, en se levant, enfin en décollant de l'appartement à 11h, forcément, tout passe super vite après. Me voilà de retour à la Casbah après avoir refait les photos. C'est une bonne chose de faite et mon Dieu, qu'est-ce que cette robe est statique. Bref. J'ai fini la jupe, je vais essayer de vous la montrer parce que là je vais me changer, je vais me mettre en jean et pull pour travailler confortablement. En fait j'ai un patron à recopier, ensuite j'ai un patron à découper en tissu, enfin à finir de scotcher, à découper en tissu. Le patron que j'ai à recopier, j'aimerais bien le couper également dans une toile pour faire un prototype. Donc je vais pas mal bouger, je vais très certainement être accroupie sur le sol, etc. Et c'est quand même bien plus confortable d'être en pantalon, d'être en jean. Donc je vais aller me changer, mais entre temps je vais mettre la petite jupe pour vous la montrer. Voilà ce qu'elle rend. Elle arrive ici, c'est une bonne longueur, j'ai mise par-dessus ma robe et finalement j'aime beaucoup l'effet. On voit pas trop que c'est une robe, enfin ça va vraiment bien ensemble, je trouve, j'aime bien le délire. Bon, où est-ce que j'en suis dans cette journée? J'ai découpé un modèle, c'est ce modèle-ci, c'était un patron de chez Peppermint Magazine. Je vous en reparlerai évidemment plus tard. C'est un patron gratuit. Et je vais le découper dans ce... Je crois que c'est du coton. Ouais, je crois. Il est un peu gaufré. Enfin, il a comme une espèce de texture. Donc ouais, c'est un tissu qui a un peu comme une texture dedans. Avec des petites fleurs marron beige. Sur un fond un peu écru blanc. Et je crois que c'est du coton et il vient de chez Drissenstoffen. Normalement, je dois avoir assez de matière pour faire rentrer mon vêtement dedans. Et il faut que je décalque, enfin que je fasse ce patron-ci. Il provient en fait du magazine, enfin du livre Jean et Denim de Gwenaëlle Luong. Et c'est bah, du coup un livre sur les jeans, sur le jean. Vous avez des modèles hommes, des modèles femmes. J'ai envie de tester la coupe mom et par la suite je testerai la coupe très certainement slim, mais surtout la coupe régulière, enfin le modèle régulière, je pense. Regardez mon assiette, comment elle a l'air d'être grave bonne. Il est 22h43, je suis fanée. Vraiment, je suis fanée. J'avais de grands espoirs, j'avais vraiment fondé de grands espoirs en ce livre. Sauf que je le trouve vraiment merdique. Enfin, merdique. Test Emo Charlotte, je le trouve pas ouf. Franchement, je suis un peu déçue. Il y a des bons conseils, il y a des bonnes choses, mais j'ai peur que les modèles soient vraiment pas ouf. Déjà, la gamme de taille, je la trouve ultra réduite. Ça va du S au XXL. En soi, on pourrait se dire c'est pas mal. Donc du 38 au 48. Sauf que leur 48 est méga petit. Là, je correspondrai entre le 44 et le 48. C'est pas le fait de correspondre à un chiffre qui est bien au-dessus de celui que je fais. Je m'en fiche un peu. Faut passer au-delà des chiffres. Je trouve que du coup, elle est vachement réduite, vachement restreinte, parce que une nana qui va être un peu plus forte que moi, qui aura un peu plus de forme, bah en fait, elle rentre pas du tout dans le tableau des tailles, sauf que quand tu vois 48 ou quand tu vois XXL, tu dis « Oh bah oui, c'est ma taille, c'est ce que je prends dans le commerce ». En fait, tu regardes vraiment à quoi ils correspondent au niveau des chiffres, au niveau du tour de taille, du tour de bassin, etc. En fait, tu te dis, mais c'est ultra petit, quoi. Et puis sinon, concernant les planches patron, alors, c'est bien, ils ont mis que deux modèles par planche patron. Et puis alors, ils te mettent à taille réelle, patron à taille réelle. Bah ouais, sérieux, les gars, elles sont toutes imbriquées les unes dans les autres. C'est
illisible. Enfin, c'est illisible. Heureusement qu'il n'y a que deux modèles par planche patron. Mais elles sont toutes imbriquées les unes dans les autres. C'est chiant. Limite, je me dis, mais pourquoi vous n'avez pas fait une espèce de code, de lien? Enfin ouais, de code où on pourrait télécharger les planches patron avec un modèle par planche et où les éléments s'imbriquent pas. Je sais pas, enfin... Me voilà partie pour aller à Saint-Martin-la-Plaine. Je suis méga pas en avance du tout. Je regarde ma montre, mais en fait, je sais même pas si elle est à l'heure. Il est 10h16. Elle est pas à l'heure du tout. Donc ouais, il est 10h16. Pff, wow, j'avais... Enfin, ça va, j'avais mis mon réveil à 9h. J'ai traînaillé un petit peu. Ensuite, j'ai traîné à prendre mon petit-déj. J'aime bien traîner à prendre mon petit-déj. Aujourd'hui, j'ai 2-3 petites choses à faire. Notamment, aller courir. C'est un peu le... Je vais pas parler de goal, de but, d'objectif de l'année parce que on les tient jamais. Mais j'essaye de reprendre le sport et ça me plaît plus d'aller courir que de faire du sport à la maison. Du sport à la maison avec, vous savez, les applications type TSE ou autre. Donc ouais, aller courir. Je vais commencer, enfin je pense que je vais surjeter toutes les pièces du patron que j'ai coupé hier. Autre petite chose, c'est que hier soir, je vous avais dit que le patron du livre, franchement, ça m'avait fané. Et j'avais pas envie d'aller me coucher tant que je n'avais pas trouvé ce que je voulais faire. Donc, j'ai un peu cherché des patrons de pantalons qui me plaisaient, des modèles. Je voulais pas quelque chose de près du corps, je voulais vraiment une coupe un peu mom. J'ai regardé, il y avait le I Am Sunshine qui était pas mal, de I Am Pattern. J'étais prête à l'acheter et puis je sais pas, je continue un peu mes recherches et je suis tombée sur les patrons gratuits de 1083. Je sais pas si vous voyez ce que c'est 1083, c'est une marque de pantalon qui fait le pantalon, le jean en fait, il fait que 1083 km. Donc il reste vraiment, la confection reste sur le territoire français, ce qui est plutôt cool. Et ils ont des planches patrons de vêtements, de jeans qui sont complètes. Alors faut les acheter, enfin faut les envoyer chez des traceurs, enfin les faire imprimer chez des imprimeurs sur des traceurs, parce qu'avec une simple imprimante on peut rien faire. Donc c'est ce que j'irai faire, mais en attendant j'ai trouvé une technique pour avoir le patron et ne pas avoir à l'imprimer chez quelqu'un. Grâce à des logiciels que j'utilisais dans mon ancienne vie d'étudiante, j'ai réussi à faire ce que je voulais. J'ai un modèle qui est imprimé, qu'il faut que je scotche. Donc aujourd'hui, je vais le scotcher, le couper dans de la toile pour faire un prototype. Bon, je suis en train de faire chauffer ma voiture. Je vais partir pour Saint-Martin-la-Plaine. À Saint-Martin-la-Plaine, il y a un zoo. En fait, j'y suis déjà allée, c'était cet été. Et le zoo est très sympa. Vous avez des lions qui sont magnifiques. Vous avez quoi comme animaux? Vous avez des singes. Vous avez beaucoup, beaucoup de singes. Beaucoup de races de singes. Vous avez des loups. Oh là là, mon dieu, les loups sont vraiment très très beaux. Vous les voyez pas forcément tous. Et puis il faut vraiment bien monter, bien chercher, y rester un moment parce qu'ils se cachent souvent. Mais vous avez des loups qui sont splendides. Vous avez quoi d'autre? Ah, il y a une volière aussi qui est très très belle. Je sais plus ce qu'il y a d'autre, mais il est vraiment très beau. Il n'est pas immense, mais justement je me dis que s'il n'est pas immense, les gens qui s'occupent des animaux prennent peut-être plus le temps. Et en fait à la base c'est une fondation qui a créé le zoo, puisqu'en fait c'est une fondation liée aux animaux, et ils ont récupéré des animaux et ils pouvaient plus vivre en extérieur, donc ils pouvaient seulement vivre en captivité, donc ils ont créé le zoo en découlait. Voilà, si je ne me trompe pas, si j'ai bien lu et si je me souviens bien également. Je vous ai pas fait de plan vidéo aux puces des couturières. En vrai, il y avait rien. Il y avait pas beaucoup de stands, il y en avait une dizaine. Il y avait beaucoup de scrapbooking. Au niveau des tissus, en vrai, il y avait vachement de petits coupons ou alors d'ameublement.
mais il n'y avait pas grand chose. Par contre, il y avait une nana qui vendait des trucs très jolis. J'ai rien pris parce que je savais pas pour quel projet ou autre. Donc j'ai rien pris, mais c'était des espèces de bandes de rubans, on va dire, qui étaient brodées. Ça faisait très oriental, j'ai envie de dire. J'y connais rien, donc je vais dire oriental. Je vais essayer de chercher sur internet pour vous dire. Je viens de chercher un peu sur internet. Bon, ils en vendent sur Mondial Tissu ou autre. Mais je viens de trouver, en fait, c'est des galons ethniques métallisés. Si vous voyez, ça ressemblait à ce genre de truc. Mais en 10 fois plus joli, avec du relief. Et non, franchement, ils étaient vraiment très très beaux. Avant que ma caméra s'éteigne, parce que j'ai déjà plus de batterie, j'ai pris quelques petites choses. Déjà, ceci, la nana m'a dit que c'était un tissu qui était utilisé chez Le Jabi. Donc j'ai dit pourquoi pas. C'est de la dentelle, elle m'a dit c'est de la dentelle de Calais qui provient de chez Le Jabi. Il y a un peu moins d'un mètre. Je m'étais dit pourquoi pas faire un petit haut sans manche ou manche courte, mais très basique, crop top. Ou alors je me suis dit pourquoi pas faire des empiècements sur une blouse, des empiècements ou des manches. Il y a de quoi faire. Nous avons été coupés parce que j'avais plus de batterie. Pendant que j'ai fait charger la batterie, j'ai eu le temps d'étendre le linge, de manger parce qu'il est déjà 14h, de faire un peu de vaisselle, de trois trucs, de commencer à préparer une soupe. Je montre le dernier tissu que j'ai acheté. Je compte me faire... Je dois avoir peut-être 3 mètres, quelque chose comme ça. Je compte me faire une veste et si j'ai assez, certainement un short assorti à la veste. Et il ressemble à ceci, ça fait des motifs assez, je sais pas, assez ethniques ou je sais pas comment vous appelez ça. J'aimais bien. Ça change carrément de ce que j'ai l'habitude d'acheter, de porter ou autre. Mais je sais pas, je trouve que les vestes comme ça, c'est assez joli. J'ai déjà vu des idées, des inspirations sur Pinterest. Et j'ai acheté également des petits boutons. J'ai acheté cette plaque de boutons blancs pour 2 euros. C'est des petits boutons qui doivent faire à peu près 1 cm. J'ai acheté ceux-là qui sont identiques. Il y a peut-être plusieurs diamètres, non? Je sais pas. Je les ai achetés pour 1,50€ pratiquement. J'ai acheté ceux-là également pour 1€. Il y en a 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ouais. J'ai acheté des noirs, très classiques, deux trous qui font à peu près... Noir ou bleu marine, qui font à peu près 1 cm, 1,2. Et j'ai acheté ceux-là également. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là. Je les trouve jolis. Ça, c'est plus des boutons... à mettre sur des vestes, des manteaux, des trucs comme ça quoi. Bref, j'ai fait le plein de petits boutons. C'était surtout les petits boutons blancs qui étaient intéressants parce que à chaque fois je n'en ai pas et à chaque fois je suis obligée de courir au magasin si j'en veux. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais totalement surjeter toute ma petite blouse. Ensuite, je couperai le modèle de pantalon. Enfin, je scotcherai, je couperai le modèle de pantalon. Ensuite, il sera peut-être presque 16h, 17h. Donc, je verrai ce que j'ai le temps de faire. Et à 17h, je vais courir. Et est-ce que j'avais prévu autre chose? Faut que je regarde. Il est déjà super tard, genre 17h18. 17h18, je vais aller courir, là je me prépare pour aller courir. Enfin je me mets en tenue, j'y vais. J'ai fait plein de trucs, j'ai surjeté et j'ai commencé vite fait à coudre la petite blouse. Donc comme ça cette semaine elle pourra, je pourrais bien l'avancer, peut-être même la terminer, on verra. J'ai du montage vidéo à faire cette semaine. J'ai également imprimé et découpé tous les éléments de mon patron de jean et j'ai préparé le tissu, il faut juste que je finisse, enfin que je le repasse vite fait pour que ce soit mieux. Parce que même si c'est un prototype, je préfère quand même que ce soit clean, comme ça je peux facilement me rendre compte de ce qui va pas, ce que je dois améliorer. Donc tout est prêt, c'est sur le canapé en fait. J'ai tous les éléments de patron sur le canapé, sur la planche à repasser. J'ai le tissu que j'ai acheté ce matin
J'en ai déjà lavé un. L'autre, c'est un foncé. Donc, je vais le laver, je pense, avec tout le foncé. C'est une dentelle. Je suis pas sûre que ça dégorge vraiment. Au pire, peut-être que je vais la mettre dans un seau d'eau. Et puis après, je la laverai avec le reste de mes vêtements. Et qu'est-ce que j'ai fait de plus? Bah, j'ai déjà quand même bien avancé, hein. J'ai un peu rangé vite fait mon appart. Je vais aller courir et puis après je vais pouvoir couper mon modèle. Et puis ce sera la fin de journée, la fin de soirée, enfin le début de soirée. Donc me préparer tranquillement pour rattaquer la semaine. Je vous retrouve affalée sur le canapé, je vais bientôt bouger de là, je clôture un peu ce vlog. Vous l'avez vu, je suis allée courir, c'est pour ça que je suis un peu en mode cracra, enfin cracra, tenue de sport quoi. La grosse polaire bien chaude, c'était trop bien, j'ai fait 7 km, c'était extra, je me suis régalée. J'en ai un petit peu chié au début, le temps que la machine se mette en route, que je me réchauffe parce que ça caille un poil quand même dehors. Mais c'était trop cool. Jusqu'au dernier kilomètre, j'étais bien contente d'y être allée, ça m'a fait grave plaisir. Et puis en plus, bon, c'est vrai qu'il faisait très gris, donc c'est un peu dommage, mais il faisait encore jour, et puis je cours le long du Rhône, donc c'est assez agréable, parce que c'est pas pollué. Enfin, c'est pas pollué, si c'est pollué, mais il n'y a pas de voiture. Genre là où je cours, il y a très peu de voitures. C'est plutôt piéton, c'est plutôt piéton. Et puis bah vous avez le Rhône quoi, donc c'est vraiment un coin plutôt agréable. Je suis assez contente. Donc ouais, très très cool. Quand je suis rentrée, je me suis posée un petit peu le temps de reprendre mes esprits. Et puis après, j'ai repassé et coupé le jean que je vais pouvoir coudre cette semaine. Je vais pouvoir attaquer le prototype de ce jean. J'ai hâte de voir le résultat, j'espère que je me suis pas loupée au niveau de la taille. Et je vais pouvoir également coudre la blouse que j'ai attaquée aujourd'hui, parce que finalement je l'ai surjetée, mais j'ai commencé à faire quelques coutures également. Et puis voilà au niveau des projets couture. Sinon, mardi ou jeudi, je pense que je tournerai une vidéo pour vous la poster plus tard, la semaine d'après, normalement. Là, je vais attaquer, enclencher le mode routine du soir. Je vais ranger, je vais vider les poubelles parce que là, ça déborde, c'est un enfer. J'ai vu mon voisin partir avec les poubelles, donc je me dis qu'il faut que j'y aille aussi, que je me motive à le faire. Je vais mixer ma soupe. Je vais me préparer 2-3 boîtes repas pour ce début de semaine. Et puis j'ai 2-3 petites choses à ranger, passer un petit coup d'aspiro, aller à la douche, ça c'est nécessaire. Mais j'irai à la douche juste avant d'aller me coucher. Voilà comment ce sera composé mon week-end. C'est vrai que j'aime bien le week-end couper des modèles pour les coudre tranquillement la semaine. Et pas trop me prendre la tête à couper le lundi ou le mardi, c'est pas... Je sais pas, j'ai moins envie de couper le lundi et le mardi. Donc je préfère couper le week-end, samedi, dimanche. Je sais pas, je préfère fonctionner comme ça. Je sais pas, dites-moi vous comment vous fonctionnez. Mais en tout cas, moi c'est un peu mon mode de fonctionnement. Sur ce, je vais clôturer maintenant. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!